Yop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomic. On va partir sur des petites missions disponibles sur le Sanctuary sur Borderlands 3. Et là, je suis juste en face de l'une d'elles. Je méfie du nouveau résident de Sanctuary 3, un saurien intelligent du nom de Maurice. T'as déjà croisé le saurien qui vit là-haut? Maurice, d'après Tanis, il est là en paix. Mais je refuse de croire ça une seule seconde. Je vois bien comment il regarde les humains à bord. Il a faim. Et je crois bien qu'il en a mangé un ou deux. Je l'ai vu traîner un sac jusque dans son antre. Un sac de la taille d'un corps. Va voir ce que tu peux trouver, chasseur de l'arche. Repasse quand tu veux. Ok, alors, où est-ce que ça se passe? Géant de la forme de mon héros Axton jusqu'à mon lit, mais oh, c'est vachement lourd. Je sais pas trop pourquoi ils ont inclus la tourelle. Un lieu de repos doit toujours être confortable. Tu vas accepter l'aide de Maurice pour arriver à tes fins. Vraiment? Alors ça, c'est trop sympa. Merci, Maurice. Maurice filait un coup de main à quelqu'un? Non, c'est pas possible. Il y a forcément un truc véreux quelque part. Cherche mieux, chasseur de l'arche. Je sais pas, pour l'instant, trop rien à dire, hein. Ce serait par ici ou pas? Ou bien? Non, c'est encore plus haut. C'est par où déjà qu'il faut passer pour aller plus haut? Je sais plus moi. Maurice réjouit de vous voir. C'est lui, Maurice. Salut! Si on fait un peu de cul. De toute façon, par là, c'est bouché. Là, on est au bout du bout, et là, ça descend. Ah, mais là, je suis à la bonne hauteur. Là. Non. Non, je suis pas à la bonne hauteur. Attends, c'est quoi ce bordel? C'est que ce serait planqué alors? D'accord. Ah ouais, je vois le machin. Bordel. Ce coup-ci, faut redescendre. Encore plus bas. Je
Je me sens si seul. Je veux un câlin. Et volontaire? Vous faites pas bouffer. Mais où je l'ai mis? Mon exemplaire dédicacé du meilleur album de Digby Vermouth, Sax on the Beach. Oh non, je peux pas l'avoir perdu. Maurice a trouvé ceci dans le placard de Claptrap. Il cherchait à le revendre sur l'éco-net. Tu le cacheras un peu mieux la prochaine fois. Oh mon dieu, j'y crois pas. Tu l'as retrouvé? Et la signature est intacte? Maurice, t'es mon petit chouchou. J'arrive vraiment pas à y croire. Il est tellement... sympathique. J'ai besoin de réfléchir, chasseur de l'Arche. Laisse-moi un moment. Chasseur de l'Arche? Maurice a senti que vous enquêtiez. Vous allez venir voir Maurice pour... parler. Oula. Il est pas content, Maurice? Ça va. Non, c'est pas encore là. C'était quoi ça? Marcus le belliqueux n'a pas confiance en Maurice. C'est compréhensible. Maurice mène une mission pour la paix et ça menace forcément ses affaires. Vous allez lui apporter un cadeau. Ces rituels de dons entre êtres au sang chaud restent un mystère. Là d'où il vient, Maurice aurait simplement vomi du sang sur le pas de la porte de son frère d'écaille et poussé le hurlement de l'amitié. Mais à Sanctuary, ce message a semblé confus. Vous déciderez du cadeau qui convient pour Marcus le belliqueux. D'accord. Un gentil poisson. Un totem de chance. Quand je vois tes yeux. Les yeux, c'est peut-être moyen. Un totem de chance. Pourquoi pas? Ou le gentil poisson. On tente le totem de chance. Oh putain, j'hésite. Parce que les yeux, là, je vois pas l'intérêt. Le retour de Maurice sera triomphal. Les couards de l'Institut chanteront leur perte. Oui. Ah putain. Je pense que c'est trop mignon, les poissons. Allez, on va prendre oui, ça. Oui. Le cadeau parfait pour Marcus le belliqueux, vous allez le lui apporter. Et pour le lui apporter, il faudra que je trouve le bon chemin. En plus, pourtant, il y a des pancartes un peu partout, hein, je devrais les suivre, mais... C'est pas là. Ça, c'est l'infirmerie. Ça me dit rien, cette pièce-là. Étonnant. Ouais. Étonnant. Non, je suis descendu, fallait monter. Attends. Ah non, mais à partir d'ici, oui, c'est juste là, je suis con, moi. C'est quoi ça? Un cadeau? De la part de Maurice? Ah, regarde la fumée qui sort de cette boîte. Éloigne-moi ça! Va poser ça là-bas. Mettre les cadeaux sur la table.
savais! Son cadeau devait contenir une forme de neurotoxine ou une espèce d'acide qui m'aurait fait fondre le visage. Maurice a tenté de me tuer. Je savais bien qu'il mijotait un truc pas net. C'est merde. Oh, c'est un soulagement. Imagine un peu l'horreur si on avait eu quelqu'un de gentil à bord. Bleh ! Le seul truc qui nous fait tenir ici, c'est qu'à tout moment, on peut tous se tirer dans la gueule. Merci d'avoir mené l'enquête, chasseur de l'arche. Un succès. Ouais, finalement, c'est bon. Le visage. Marcus le belliqueux ne respecte que la force et craint la chaleur. Même si Maurice est ici en paix, il connaît bien la diplomatie de la griffe. Vous avez toute la gratitude de Maurice. Oh bah bien. Finalement, j'ai tout déchiré. J'avais un doute. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle arme ? Alors, niveau requis 38, dégâts 131, c'est pas énorme. Cadence de tir, c'est pas énorme non plus. Enfin, c'est pas mal, faut pas que je dise. Par contre, la taille du chargeur 45, c'est sympa. Dégâts de coup critique plus 21, bien. Vitesse de rechargement plus 29, ah oui, 2,4, c'est rapide. Bon, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. À voir. Donc on avait ça à faire. C'est bon, c'est fini. Et j'ai vu qu'aussi il y avait une autre mission disponible tout en bas là. Regardez, regardez, regardez. Ici. Tac. On va même se mettre un petit repère. Bon. Non mais il m'a mis un repère là où je voulais pas. Bon, c'est pas grave. C'est un petit peu gênant, mais bon. On y survivra. Alors, c'est Claptrap. Alors, le nouveau meilleur ami de Claptrap est hors de contrôle. Vous devez faire quelque chose. Je me suis trouvé un nouveau meilleur ami. Je l'ai appelé Kevin. Comme ça, j'ai plus besoin de vous pour être mes amis. Mais maintenant, il a disparu. Faut se barrer d'ici, d'accord. Ah non, attends. Fais pas! Il a presque arrêté de manger des visages! Ah! Ah, c'est sûrement Kevin! Allez, viens! Mais qu'est-ce que c'est que cette petite saloperie? C'est Kevin, mon meilleur ami! Kevin, ça monte à Claptrap! Reviens ici tout de suite! Tu parles? C'est juste un monstre dégoûtant! Et rapide en plus! Chasseur de l'arche, utilise une arme de glace pour le ralentir! J'en ai justement une qui traîne. Va la chercher si tu veux. Amusez-vous bien. Pourquoi je peux pas le ramasser? Ah bon, je l'entends, je le vois plus. D'accord, 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 d'accord. C'est parce qu'il fallait prendre leur arme. Ah là là. Trappe-le.
Tu l'as eu ! Oh, Kevin ! Sans toi, j'avais perdu le goût de la vie, tu sais ! Chasseurs de l'Arche, ces Kevin, comme il dit, doivent tous mourir. Ils se reproduisent à une vitesse alarmante. Kevin et papa ? Je suis grand-père ! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie ! Oui, et comme je le disais, vous devez capturer les Kevin et les expédier dans l'espace. Oh punaise. Non, un paquet, hein. Vous me le paierez, Thanis. Pour une raison qui m'échappe, Claptrap semble attaché à ces créatures. Mais nous sommes envahis et nous devons régler ce problème. Maintenant, au moins, on sait qui est le vrai monstre ici. C'est vous, Thanis. Si vous le dites, Claptrap. Tout le monde est limite en panique, je crois. Ah, voilà. Très beau travail, prenez-le. Non, non, ils sont presque insensibles aux dégâts. Vous devez les geler. Apparemment, ils sont tous vers le haut. Ah non, pardon. Oui, mais bon. Ils sont tous encore au-dessus ? Attention aux grenades ! Contre ces créatures. Beau travail, chasseur de l'Arche. D'après mes indications, vous avez capturé tous les Kevin à bord. Mais pour assurer leur destruction totale, vous allez devoir les expédier dans le vide cruel de l'espace. Mais c'est juste en face, disons. Coup de peau. Ah bah voilà pourquoi je pouvais pas y accéder. Adieu, mes petits princes grouillants. Claptrap, si jamais l'envie vous reprenait d'introduire un organisme inconnu à bord, retenez-vous. À la première incartade, je vous éjecte avec eux par le sas. Bien, maîtresse. Le vaisseau est plus sûr et moins dégoûtant grâce à vous, chasseur de l'Arche. Merci. Ouais, vu le prix, c'était vraiment un truc que je devais faire depuis un bout de temps. Tac, 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 plein les aventuriers de la Roche Perdue. Trouver ces précieux spécimens et au besoin éliminer les organismes qui auraient pu les souiller avec leur appendice dégoûtant. Leur appendice dégoûtant. C'est vraiment histoire de faire le jeu à 100%, hein, les gars. C'était par où, c'était par où, c'était par où, c'était par où. Faut que je descende. Ça peut être bien. C'est bien cela. Alors, Tech Eden 6.
Ça tourne, mais c'est juste là à côté. Parfait. Je suis pas dessus. Merci. Quand j'y pense, j'aurais dû acheter. Il y avait la saison de passe à 29 balles au lieu de 49. Bon, il y aura l'occasion. Ça me permettra de changer un peu de jeu quand même, parce que c'est vrai que je m'acharne dessus. Là. Je fais pas attention aux autres. Ah non, mais non, c'est pas ça que je veux. Du coup, je l'ai activé le truc, j'en voulais pas. Toi au volant ! Pense bien à défoncer les panneaux des drives de Legacy pour moi, si tu veux du temps en plus. Salut le professeur. Dieu merci, vous voilà ! Mes bébés ont disparu ! Un groupe d'horribles jacassos a volé toutes mes pierres précieuses, chérie! Des bébés pierres. Très bien, donc vous êtes cinglés. Trouvez ces jacassos et arrachez les boyaux de ces organismes dégoûtants! Désolé, mais les créatures vivantes me révulsent. Avec leur peau et leurs orifices. Oh, c'est abject! J'ai passé des années à chercher partout de la roche brune, et j'ai eu le plus grand mal à réunir ma précieuse collection. Retrouvez mes splendides spécimens! Waouh, faut se calmer. Ça reste des cailloux. C'est bien plus que des cailloux, bon sang! C'est tout mon monde! C'est tout ce que j'ai! Je leur ai même donné mon nom. 139.177 roche brune, ou roche brune pour faire court. Même si elles sont d'une belle teinte mordorée. Oui, je sais, ça complique un peu. Mais ça m'est égal. Trouvez-les. Saloperie de marais. Ok, on va les trouver. Alors, c'est tout là-bas là-haut. Ok. Tac, et on déploie, et c'est parti. Le poteau. J'étais en train de regarder la carte, je regardais plus où j'allais. À passer avec ma bécane. Non, c'est pas prévu pour. Par contre, pourquoi j'ai plus rien dans les pattes? Ah ouais, parce que du coup, le flingue, je l'ai redonné. D'accord. Ça me donnerait peut-être l'occasion de tester une autre arme, Marc. Truc irradié. Ouais, mais quand j'ai ça à côté. Préfère. On est bien d'accord. Ça, je pourrais le remplacer par une petite mitraillette. La petite mitraillette là. Parce que c'est encore des radiations. Il n'y a que des trucs à radiation dans le coin ou bien ou quoi. J'avais celui-là aussi en légendaire. Après, c'est sûr, il y a le fusil à pompe. Hein. Le 112. 800 contre les boucliers. C'est vrai que j'ai pas trop le délire avec les boucliers, moi.
beaucoup, merci. 735, ok, on avance. Je crois pas que ce sera sur cette mission-là que j'aurai des trucs de ouf. J'ai pas regardé le level de la mission, mais ça a l'air sympa. Donc on va la torcher. Bah ouais, sur le vaisseau, c'est là depuis deux plombes ces missions-là. Si ça se trouve, je vais enchaîner avec d'autres. Au fur et à mesure. On verra bien. En tout cas, on découvre des nouveaux décors et ça, c'est pas pour me déplaire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, c'est les cailloux qu'il a perdu l'autre. Et moi je suis niveau 38 là, je crois. Ouais, 38. Bon allez, on plonge dans la nasse, on se joue cowboy. Sur une lancée. Ok, parfait. Il m'a évité le tir là. C'est mon vrai talent. Un petit peu plus costaud. Ouh, 4006. Vraiment, il peut y avoir des armes sympas quand même. Peu le petit poussé là quand même sur ce coup là. Franchement la musique et tout, le décor, des fois si je me tais, hein, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler, mais j'ai envie de profiter. Il y a un peu de tout là. Ouais, je sens.
Ok. J'ai que ça, je vais prendre, mais bon. En fait, on a un truc jaune ici. Ah, salut toi. Ah, t'es. Merde, j'ai perdu le compte. C'est quand même pas beaucoup. Allez, pièce à 100. Regarde-moi ce camé. Il a sniffé trop de sport. C'est ce qui arrive quand on éduque pas assez ses claptrapes. Une puce d'amélioration de la mémoire à long terme. C'est vraiment utile parce que notre mémoire à court terme est abominable. Et tais-toi d'ailleurs. Oh chouette! Une puce d'amélioration de la mémoire à long terme. Encore ? Non, je comprends. Ils se servent de mes spécimens de roche brune pour leur décoration. Fascinant et révoltant. Sur le même thème, je déteste cette planète et tout ce qui y vit. D'ailleurs, je déteste tout ce qui vit en général. Je suis pas dessus. Allez. Qui est gros. Je vais aller chercher mon dernier spécimen. Il est, mais il est bien tombé. Je l'ai surnommé Abigail. Alors, ah ouais, quand même, 2200, 1390, ok. Excellent! Maintenant, rapportez-moi mes précieuses petites pierres. Il semblerait que le roi des Jacassos envoie régulièrement ses sous-fifres explorer la zone en quête de toutes les roches brunes. C'est un vrai cauchemar! Bon, crachez le morceau. C'est quoi votre truc avec tous ces cailloux? Soit, soit, je suis démasqué, j'avoue tout. Je suis particulièrement fasciné par la transformation de la calcite des roches brunes pendant leur recristallisation, parce qu'elle prend une forme de feuillage unique. Ok. C'est tout? Mais ma foi, c'est parfaitement scandaleux pour un homme dans ma position d'être aussi épris de ce processus. Vous ne comprenez pas? Non. Qu'est-ce que j'ai par là? Quand je retourne voir Michel. Ouais, donc pas la peine d'avancer par là, on va faire demi-tour alors. Putain, j'ai de la route! Alors, parcours.
ça, j'ai fait le ménage, hein. C'est sûr que ça allait beaucoup plus vite, mais bon. Je pense que c'est plutôt par là, ouais. J'ai rien vu. Alors, où est-ce qu'on en est? On est pas mal. On pourrait tout de suite, ouais. Vider cette petite poche. Si ta gâchette fait clic, faut que tu rappliques. Hop, hop. T'as de l'argent, alors pourquoi pas le dépenser? Alors, qu'est-ce que j'ai en plus là? Ouais, ça c'est rien. Ciao! Ça aussi c'est rien. Ça aussi. Ok! Bon, Sarah, ça s'est bien passé. Et avec le flingue, c'est-à-dire avec le style. On fait une série de pleine tête, là, c'était propre. Ça souffle dur, hein. Merci d'avoir retrouvé mes pauvres petits spécimens sans défense. Enfin, je vais pouvoir continuer mes recherches. Seul, joyeusement à l'abri de tous ces organismes dégoûtants qui peuplent l'univers. Je n'ai plus besoin de votre aide. Alors, au revoir. Où est-ce que j'ai rangé ce flingue? Oui, c'était pas extraordinaire. Bon, bah voilà. Alors, les burgers à livrer au secours. Ok, Sanctuary, j'arrive. Paf. Allons faire notre rapport, parce qu'apparemment, je pense que ça va être la mission finale. Si on doit aller casser la gueule aux deux, là... Sors de l'arche.
Le chasseur de l'arche est là. Salut, recrue. Merci d'avoir sauvé Tanis. On dirait que je peux toujours compter sur toi, quoi qu'il arrive. Oui. Je voulais te le dire, mais... les sirènes ont une cible sur la tête par les temps qui courent. On devrait s'occuper d'un problème plus pressant. Le chasseur de l'arche a coupé les fonds des Calypso, mais ils ont déjà reçu une quantité impressionnante d'iridium. Ils comptent bien s'en servir pour quelque chose. Ouvrir la Grande Arche, par exemple. Attendez, ça veut dire que la Grande Arche existe vraiment ? Ouais, je suis assez d'accord. Pardon ? Je ne fais que prendre en compte les preuves que nous avons. Lilith, si la Grande Arche existe bel et bien, la créature qu'elle contient doit être affreusement puissante. Les Calypso sont déjà des monstres. Je veux pas savoir ce qu'ils feraient en mettant la main sur ce genre de pouvoir. Après m'avoir enlevé, ils m'ont enfermé dans une forteresse où ils entassaient tout l'iridium reçu en offrande. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais c'est là que ça se passera. Alors c'est là qu'on va frapper. Recrue, va au repos de Roland et dis à Vaughn de rassembler les pillards. Il est temps d'en finir. C'est la guerre ! Eh, baston ! Alors, Vaughn. Je me rebarre par le truc temporel, enfin de téléportation. Ok. De nouveau sur Pandore. Oh, voilà, me diabolique. Tac. Non, ça marche pas. Allô. Du coup, je peux pas. Ben, merci. Je devais être juste à côté. Bon, c'est bien, je serai accompagné alors. On se fait attaquer ! Allez ! Merde, copain. On va pas tout chercher. Putain ! Écraser les pillards écarlates une bonne fois pour toutes. Tyrine, envoie-leur Brayton. Je te nomme ravageur des roustons de Roland. De l'iridium, super. Allez, va tout massacrer, mon gladiateur. Des quasi-dieux de l'Ardane. Oh non, merde. Un type qui brille. Méfie-toi. Tu vas mourir. Okay. Merde. Eh ben tant pis. Mais vite, je meurs aussi. Ok, c'était flippant. Pour toi, le repos de Roland est sauvé. Ah oh merde, ça fait du bien de gagner un peu. Maintenant la popote. C'est barré. T'es allé où? Yes. Hey, il paraît qu'on va prendre d'assaut la forteresse des Calypso. Ah, c'est pas trop tôt. Tu peux compter sur moi. J'en ai marre d'être leur beau joujou. C'est la guerre! Écoutez-moi bien, les poteaux et les potasses. C'est notre moment. On va se jeter sur les portes des Calypso et montrer à ces turbo-connards ce qui se passe quand on cherche les pillards écarlates. Pillards écarlates, à l'attaque!
À la cathédrale! Alors, la cathédrale, ça se trouve. C'est pas loin. Mais on va y aller. Armée, en caisse. Fonce vers la victoire! Pourquoi il ne met pas par défaut, je comprends pas. On est bien. Non, on n'est pas bien. Voilà, et là tu fais déployer le véhicule, et là t'es équipé, et là c'est cool. Bon. Vous nous attaquez? Sérieux? Bouffez mes tourelles, mon avion. Oh merde, je me demandais ce qu'elles étaient devenues. A plus les connards écarlates. Ça fait ça. Ah oui, aussi il a le même truc que moi, attention. En plus, c'est la merde. On n'atteindra pas la forteresse des Calypso tant que ces tourelles seront actives. Je pourrais peut-être les désactiver avec mon changement de phase, mais pour une tâche aussi grande, il va me falloir mon amplificateur d'iridium. Il est dans mon labo secret, caché sous une ancienne mine de dalles des environs. Vaughn va vous guider. C'est pas elle qui vient me guider? Qu'est-ce qu'il me semble que c'était pas elle, Vaughn? Merde, ouais! Fait chaud! Je suis à des endroits inavouables! J'ai une petite idée. Bon, c'est la grosse merde. Mais tant que toi, tu restes en vie, on garde un peu d'espoir. Enfin bref, ça va te paraître bizarre, mais une voix dans ma tête m'a dit que t'avais besoin d'aide pour entrer dans la vieille mine de dalles. Je m'en occupe. Laisse-moi une seconde. Vive le sport! Alors, comment tu trouves mon petit cul? On y est presque! La mine est par là. Et voilà, je te souhaite bonne chasse. Mon labo secret vous attend, allez-y. Forteresse de Conrad. Bah écoutez, on se fait une petite pause et puis on va faire ça sur une seule vidéo. Allez tchuss.